Bonjour chers amis youtubeurs, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et comme j'ai dit la dernière fois, la prochaine fois que vous allez voir la Cox, c'est pour l'avoir tourné. Là la priorité ça va être de faire la vidange. J'ai déjà fait un bon petit truc, mais toujours mieux en vidéo et qu'on soit ensemble quoi. D'accord ? Allez, fais. Comme vous pouvez voir, là, il y a déjà un sacré trou ici. J'ai préféré vidanger hier. Pourquoi ? Parce qu'il y avait pas mal de merde et je voulais que ça descende bien par gravité. Donc je me suis dit, au lieu d'attendre comme un connard pas mal de temps, j'ai dit, ah, c'est bon, je vais la laisser couler toute la nuit. Donc, bilan. Eh ben, je vais plus vous montrer ici parce que j'aurai peut-être un peu plus de facilité. Une huile bien noire, bien consistante. Ça, je peux l'enlever. Ici, on va retrouver quoi? Je vous mets en pleine lumière. Donc, le tamis, que dire dans l'état qu'il est? Le tamis, eh ben, il a pas mal de merde, quoi. D'accord? Donc, la petite trappe là, le tamis, bien sûr, il y a eu deux joints papier, le bouchon de vidange, bien sûr, je mets tout au neuf, hein, que ça soit le tamis ou quoi que ce soit. Le niveau d'huile. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le niveau d'huile? Si j'arrive à viser un peu plus que le mini, donc c'est bon. Là, voilà mon système pour moi mettre de l'essence. Directement à la pompe à essence. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Je peux enlever mon entonnoir. Beep.